Bonjour Madame Denis. Du coup, les habitants veulent savoir, est-ce qu'il y a bel et bien un brachiosaure dans le bassin de la Courance ? Et non, pas du tout. Il n'y a pas de brachiosaure dans le bassin. Tout au plus, un très gros poisson d'avril. Une façon amusante de braquer les projecteurs sur le bassin de la Courance, car il y a une faune qui y habite vraiment. Tout aussi passionnante qu'un brachiosaure, si on prend le temps de s'y intéresser. Il y a beaucoup d'oiseaux, des chauves-souris, des insectes qui reviennent au moment de l'été et qui ont une grande place pour la pollinisation. Bref, un écosystème que les Maupassiens peuvent venir admirer à la Courance au fil des saisons. Ce site a été créé en 1974. Cela permet de lisser les flux d'eau pour éviter les crues en cas de forte précipitation. C'est donc un site artificiel qui n'a rien de préhistorique, mais qui est aménagé pour favoriser l'accueil et le développement de la faune sauvage. J'espère que j'aurai su partager avec vous une passion et un engagement pour la biodiversité et le bien-être animal.